现在我们的电话，还会说来着，我是爸爸，我说要你的水有点傻，还不傻，我的水有点傻，是不是公司内部，哪里有的水呢？结果，结果他不能，不能怪，不能怪，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 spécialement, c'est comme ça. Vous avez suivi un chat. C'est comme ça. Un chat spirituel, il va vous faire quoi? C'est lui qui va rentrer dans vous pour vous dire quoi? D'élever le chat, d'aller acheter un chat pour le lever. C'est comme ça. Ça, c'est un premier exemple. Est-ce qu'un exemple? Est-ce qu'un exemple, fait que vous avez suivi un chat, c'est quoi? Il va vous faire quoi? C'est l'autre. Vous avez suivi un chat spirituel.L'esprit-tel peut faire quoi? Quel est le rôle du chat? C'est quoi? C'est bloquer la souris? C'est tuer la souris? C'est comme ça. La souris, c'est quoi? C'est le qui? Tuer la souris, c'est-à-dire tuer quoi? Tuer la communication entre quoi? La souris, c'est le fils de Dieu. C'est comme ça. C'est-à-dire tuer la communication entre quoi? Entre Dieu et quoi? Et toi? Et le Seigneur et toi? C'est bien un chat qui va tuer cette communication-là.C'est comme ça. Et Dieu ne pourra plus te parler. C'est comme ça. C'est comme ça. Un exemple, c'est quoi? Ce chat-là, ce chat spirituel va vous créer l'insomnie. Vous n'allez pas dormir. Vous ne dormez pas. Si vous n'allez pas, vous n'allez pas faire de rêve. C'est ça, non? Vous n'allez pas faire de rêve. Donc, Dieu n'est pas venu à vous. Qui vous parle de rêve? C'est Dieu, non? C'est fait comme ça. Donc, Dieu n'est pas venu. N'est pas venu à vous. C'est comme ça. Ça, c'est un exemple. Un second exemple, il peut vous laisser dormir. Vous allez dormir.Vous allez faire dormir dans les bonnes conditions même. Il est bon. C'est-à-dire, dans la mosquée impériée, il parle dans le bord de gauche. Et comme ça, vous allez faire rêve correctement. Mais, ok, mais là, vous allez oublier. N'as-tu pas tué encore le chat? N'as-tu pas encore tué la souris? N'as-tu encore la souris comme ça? C'est comme ça. Ou bien encore, qu'est-ce qu'il fait? Une autre communication de Dieu. Ce n'est pas seulement le rêve. Dieu, pas Dieu. C'est quoi? Ce n'est pas le rêve de Dieu.Communique à ses serviteurs. Dieu communique aussi à travers les signes de la vie. C'est comme ça. Le chat, il va faire quoi? Il va empêcher ces signes-là. Le chat va empêcher ces signes-là, puis ces signes-là vous arrivent. C'est ça, c'est ce qu'il y a. Il va empêcher ces signes-là. Ces signes-là ne viendront pas à vous. Ils ne viendront pas à vous. Et quand même, ils viendront à vous. Il se peut encore qu'ils nous laissent ça. Et ils viendront à vous. Maintenant,Quand ils sont à vous là, ce chat spirituel là, ils sont là pour vous distraire. Pour vous distraire. Ainsi, vous n'allez pas concerner ce signe. Or, ce signe, c'est quoi? Ce signe là est venu pour vous donner une solution, pour solutionner un certain problème pour vous. Voilà que le chat là, vous êtes, c'est fini. N'a-t-il pas tué la souris? N'a-t-il pas tué cette communication là entre vous et votre Seigneur? C'est comme ça, c'est très dangereux le chat.C'est très dangereux de visiter. De visiter beaucoup de mille fois. En plein soleil. C'est comme ça. Il vous a averti le Lucifer. Vous a averti. Il a dit quoi? Si tu es vraiment homme là, si tu es garçon là, attends, il va revenir. Après avoir couvert. Le conseil de la communauté.La fumée là, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. D'après le chat, il te dit attends, si tu es garçon là, bien, attends, si tu es garçon là, attends, qui te retrouve en bas là, c'est comme ça, ils ont tous averti, c'est comme ça, ne prenez pas venir leur menace, je suis votre Dieu, et je les connais mieux que vous.Je les connais mieux que vous, plus que toute personne. Ce sont mes femmes et le diable Lucifer. Ce sont mes femmes, ils sont mes choses à moi. Et je les connais mieux que vous. C'est comme ça. Ne prenez pas le menace d'aide. C'est comme ça. Ne visitez pas beaucoup le miroir en plein soleil. Et la nuit n'habitez point. C'est comme ça. Et ne faites que votre Dieu. Et voici.Il s'appelle Marcus Assis. Il n'a dit que lui, c'est comme ça.